Aujourd'hui, on a un grand honneur, vous savez, Samat, si vous êtes là, vous savez qui c'est, je suppose. Hein. C'est une grande star, donc on va déjà le remercier pour lui et ses deux boxeurs qui ont fait un super combat jeudi déjà. D'abord, il va vous montrer beaucoup de techniques. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Moi, je vais faire la traduction. Bon, là, maintenant, vous êtes déjà chaud. Regardez, si je m'attrapais la tête, hein. Mais...
gauche et à chaque fois, on le gratte. D'accord ? 1, 2, 3, 3. Sans quoi, l'autre côté ? Combien ? 1, 2, 3. Chacun, seul. Ni un moine, fais pour moi, c'est bon. Comme si vous étiez vos styles handsome men. Go. Ok. Oui. Donc on avance. 1, 2 et 3. Comme si tu passais la main dans les cheveux, Boris. Ouais. Là t'as mes peines. Oui, bon. Une autre technique pour Fabrice. Sors moi les cheveux sur le bras. Yo, you have hair, ok. Premier gala de Muay Thai dans lequel je suis allé de ma vie, c'était à Bercy et c'était Rob Kaman qui faisait la tête d'affiche, hein. C'était censé être contre Jean-Yves Thériault qui s'est fait remplacer par Eric Rouvieux ce dernier moment. Et voilà, donc depuis que j'ai 15-16 ans, c'est lui qui anime les grandes soirées de Muay Thai, c'est lui le combat vedette à chaque fois dans les soirées de Kepchi. Il a boxé tout le monde, hein, les Américains, les Hollandais, toute l'Europe, tout le monde. C'est un grand champion, c'est une grosse star comme vous avez vu au gala hier, les gens avaient les larmes aux yeux en le voyant. Bon, ça va. Il est venu pour voir Samat, il a un respect énorme pour Samat, sachant qui c'est, hein. Il a un respect énorme pour lui. Et là, il nous fait l'honneur de venir, donc double. En 1979, je suis venu pour la première fois à Thaïlande. Un petit bébé. En 1979, il a rencontré Samat. Et c'est son exemple, c'est son idole. Why? He's smart. Il est très intelligent. Donc, bien. Thank you. Je vous propose, on va encore travailler un petit quart d'heure de technique et après on va faire une photo de groupe. Et après, si vous voulez faire des photos avec les deux stars, et Michel aussi, hein. Parce que Michel, c'est aussi un peu une star dans le 13e arrondissement. Je suis allé au camp Citeton où il y avait Samat. C'était l'année où il venait de reprendre la boxe parce qu'il avait arrêté. Et il a fait un comeback quelques années après. Et c'était ce jour-là où il revenait au Citeton. Donc moi, je l'ai vu rentrer au Citeton. C'est clair qu'il était inapprochable, hein, inabordable. Il y avait beaucoup de journalistes, de fans. Je ne pouvais même pas l'approcher. Et aujourd'hui, je suis fier. Parce que voilà, ce que j'ai donné en Thaïlande avec la passion, avec le respect que j'ai eu envers les entraîneurs là-bas, envers la culture thaï, j'ai la chance maintenant de pouvoir les fréquenter, de pouvoir être ami avec eux. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir vous les ramener, hein, dans le club. D'accord, le club, vous avez compris, hein, c'est toute ma vie, elle tourne autour du club, elle tourne autour du Muay Thai. Les gens que je connais, c'est en fonction du Muay Thai. Donc aujourd'hui, vous pouvez vraiment être très fiers, hein, d'avoir pu côtoyer, approcher, discuter avec eux, sans parler de détrites. Hein, vous avez vu le combat qu'il a fait jeudi, il y en a qui était là. Et ça que son crâne, c'est pas un phénomène, non, hein, c'est... Rob Kaman, le dieu vivant du sport pied-point. Le dieu vivant du sport pied-point, il est là.
Il est venu pour faire l'honneur, pour dire bonjour. Et ça n'a pas de prix. Et je veux dire, Rob Cavan, c'est un bonhomme. C'est un homme, c'est un vrai. C'est un mec qui a du cœur. Il est venu d'Amsterdam pour voir le gars à ses frais, pour venir vous voir. Et là, il vient ici pour vous voir aussi, et par respect. Donc ça aussi, c'est très un grand, grand bonhomme, grand applaudissement. You're a man, Robert. You're a man with a big heart. And I will remember. And on va faire le salut, d'accord, hein, pour rappeler comment on fait. Tout le monde me rejoint. Merci beaucoup. On va prendre une photo de groupe si vous voulez. Hein. Merci les gars.